then we are. Bonjour. Bonjour. Bonjour YouTube. Salutations. On est ici pour vous présenter un deck. Oui. Bon, on était obligé de vous présenter le meilleur deck de la méta, et du coup forcément ça devait être un Malfurion. On n'avait pas d'autre choix. Si t'as pas croissance dans ton deck, tu peux pas être le meilleur deck de la méta. C'est ça. À l'heure actuelle. C'est vrai qu'au final, tu m'as dit, on parlait d'un deck Maligos, j'ai fait ça. Je sais pas si ça alors doit. Moi j'aime parce que j'ai mis deux acclimatations quand même. Oui, deux acclim j'aime bien aussi. Deux acclim. Après la question c'est Guédon ou Faceless en fait. Alors dans la version que moi je jouais, il y avait pas Guédon, il y avait pas Talnos. Okay. Y avait Faceless et Alexstrasza. Qui sont assez sympas. Ah oui, c'est vrai qu'Alexstrasza c'est bien, c'est mieux que Talnos je pense. Tout à fait. Faceless j'étais pas complètement convaincu, mais des joueurs qui ont beaucoup joué le deck m'ont dit si c'est de la balle, garde-le. Écoute, on va mettre Faceless dans ce cas. Vas-y. Hein. Mais voilà, ça vous montre déjà que le deck est assez... Il y a 2-3 flex spots. Ouais, clairement. Et après, c'est franchement selon vos préférences personnelles, hein, parce que tu prennes un screen, j'ai déjà pris le screen en fait, je sais pas pourquoi je le copiais. Réflexe. Ouais, mais tu viens de changer des cartes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai changé des cartes. Il est plus là. Il est là, mon outil capture. Hop. Hop. Voilà. Oui. Un bon petit screenshot. Et bah écoutez, on va pouvoir partir avec ce magnifique druidou. Druide. J'ai appelé DDLE, je sais pas pourquoi. Petite faute de frappe. Mais ouais, c'est un peu le druide à la mode en ce moment, on va dire. Ouais. On le voit quand même beaucoup. Je pense que c'est le plus populaire en effet à l'heure actuelle. Ouais. Et il a un très bon potentiel. Bon, il y a aussi des il a un potentiel de blanc aussi parfois. Ouais, bah en fait il est extrêmement vulnérable aux casse armes aussi. Oui. C'est ça qui est un peu frustrant. Notamment les Shaman Shadowwalk jouent presque tous un casse armes. Les démonistes pairs jouent presque tous un casse armes et ça peut parfois devenir frustrant. Après les démos pairs, souvent vous pouvez les battre même sans l'arme. Ça se fait. Mais les Shaman Shadowwalk, s'ils arrivent à vous péter votre arme, c'est rude. Hein. Il y a des gens aussi, oui, en effet, qui jouent Sirpillor dans le deck. Je sais pas trop. Ah oui, il y a une version avec Roi Sirpillor et Azalina qui est sympa aussi. Voilà, on tèche tout. Hein. J'imagine. De toute façon, on veut du ramp. Hein. On veut croissance. Croissance et brindille. On a brindille. Alors, c'est incroyable, c'est quel stream? J'ai fait un stream cette semaine. Ça devait être. Il me semble que c'était en soirée. Ouais. Donc, ça devait être. Mardi. Mm-hmm. J'ai fait. 5 games de suite, croissance T2, brindille T3. Solide. Ah, t'es en compte quoi en joue là? Et je crois que sur mes peut-être 11 games de druide, j'ai eu 10 fois ma croissance, genre c'était pas mal. Alors franchement, la meilleure game de druide, c'est celle qu'on a fait à l'escarmouche lundi. Elle était incroyable celle-là. J'étais létal T8 avec le Valigos. Hey, ça dépend pour qui, elle était incroyable, mais... T3 en équipe la brindille, T8 on a létal. Allez. Ok. On se fait agresser là. Nous c'est moi. Ok. Bah Hero Power. Hein. T'as l'air d'être un genre de mid. Écoute, je comprends pas, mais le pièce arc dans notre gueule. Le pièce arc dans notre gueule, c'est étrange. J'étais pas prêt. Hein. Ouais, clairement. C'est bizarre. Oh, chiant ça. Ok, effectivement, ça peut être lourd. On va jouer une brindille. Hein. Et on va aller face. Eh oui. Est-ce qu'on va chercher à piocher avec ce lourd du coup? À voir. Ça peut être sympa. On va voir évidemment en effet si on chope. Si on draw fléau, au prochain tour, évidemment non. Ok. Oh. Il est à les têtes avec la guêpe? Non, j'ai cru l'espace d'un instant. Ah, ça donne envie de ramp ça, non? Ouais, go ramp, j'imagine. T'attaques face quand même? Ouais, je pense hein. Allez. Je suis d'accord que c'est un peu dangereux, mais bon. C'est carrément dangereux. Hein. On peut le dire. Hein. Oh non! Ah, ça c'est pas gentil. Ouais, vas-y, joue ça. S'il choisit de l'ignorer, on pourra juste plague et le rejouer. Ouais. Vu qu'il y a probablement un freezing trap présent. Ah, lui, c'est souvent un des pires. Hein. Bon, heureusement on a la plague. Ouais mais juste... Ah ouais.
nice. Tu penses qu'il va l'ignorer? Bon, bah nice. Hein. Ouais. Face avec. Face. Et ça alors. Faire plague et le rejouer du coup. Ouais. Ok. Et on met un coup de brindille. Ah oui, oui, pas dans la cour, j'imagine. En fait, on peut mettre un coup de brindille à 2 dans une 3-3. Ce qui fait qu'il il devra se suicider dans une 1-5. Ok. Ou alors mourir sur le swipe. Ouais, ok, c'est probablement plus intéressant. Après, je sais pas si on va vraiment swipe le prochain tour. Mais dans tous les cas, c'est intéressant même. Ouais, oui, c'est oui, ça. Oui. Le fait qu'il meure sur, sur un trade, quoi. Ah, oh, c'est sympa cette plaie envahissante, hein. Ah, c'est une bonne carte, hein. Plaie envahissante. Y'a pas à dire, c'est quand même une sacrée bonne carte. 30 points de vie de taunt pour 6 de mana. Dire qu'à la base, elle coûtait 5. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais il est casse bonbon, lui. Bon, ça va. Ouah, il va prendre un swipe, quoi. On va pas commencer à râler sur un mec qui joue Frenzy Féroce. Oh. Peut-être pas. Ce serait malvenu. Alors du coup, il perd un peu la valeur sur sa toxicité. Hein. Quelque chose me dit que c'est un piège explose. Il nous prend pour un jambon, lui. Oh putain, il ne respecte tellement pas. Attends, mais là du coup on va juste faire les trades et développer notre... Les Malfurions. Les Malfurions, ouais, je pense. Tu mets ça là-dedans. Bah attends, on commence peut-être par une 1-2 dans un... Ouais. Juste au cas où il a menti, quoi. Ça. Ouais. Je peux aussi mettre ma tête là-dedans et garder ça à 1 PV, c'est peut-être intéressant, ouais, en fait. Ouais, probablement, ok. Ouais. Donc on rentre ça là. Oui. Bah, de toute façon, fait Malfurion là. Ouais. Attends. La question c'est est-ce qu'on veut proc le trap en fait? Parce qu'auquel cas, on peut juste taper là. Taper là. Non, moi je veux pas proc là. Le trap, je pense. Mais. Ouais, ok. Parce qu'on peut le faire, c'est pas gênant, tu vois. En fait, on tape là. On tape là, on tape là. Là, on va face avec la 1-2. Et ensuite, on met l'aéroport là-dedans. En fait, ça nous coûte qu'une 1-2 de proc le trap. Du coup, tu commences par aéroport. De oui, druide. Comme... Ouais, ok, ok, fais ça, fais ça, fais ça. Ça me va. Tac. 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 Imagine, c'est pas un explo. Après tout ça. Par contre, vite le décal. Ouais, sinon il remonte, c'est ça. Explo. Merde. Il nous a brain. C'est pas très grave en vrai. C'est pas gravissime, non. Du coup, on a un swipe à 11 si on a vraiment besoin. Qui est déjà chargé là. Hey, il nous a niqué lui. C'est vrai que c'est un peu désagréable. Après, on était obligé de jouer autour hein, de toute oui. façon. Oui. Non mais clairement. J-baited. J-baited numéro 2. De toute façon, si on met deux maligos là, genre, qu'est-ce qu'il va faire? Là, on va juste mettre deux maligos, non? Attends, à combien de dégâts? Si on fait maligos... Taper... Pour moi, en fait, tu fais maligos, tu tapes dans la 3-1, tu ouais. face les maligos, tu swipe et on attaque même pas. Ok. Maligos, taper dans la 3-1... Ouais, ouais, ça me va. Et on swipe face. Mais bonjour. Le prochain tour, il reprend un swipe face. Bah ouais. Même s'il gère un Maligos. Oui, c'est ça. Le deuxième lui fera les fesses. Il peut gérer un Maligos. Ouais. Gérer les deux, faudrait vraiment qu'il abuse. Ouais, faudrait un truc genre. Marque du chasseur, Rexor quoi. Ça a pas l'air d'être parti pour être ça. Hein. Et non! Ouais. Ouais, vous êtes pas obligé de faire une combo OTK avec le deck en fait. Ça hein. dépend contre quel deck. C'est ça. Non, il y a des matchups où il faut, il y a des matchups comme celui-ci où ça passe tout seul. Ouais. Mais typiquement aussi, on en parlait tout à l'heure, mais contre Démoniste Père, qui est un deck qu'on croise pas mal en ladder actuellement. Contre Démoniste Père, vous pouvez juste. Ouais, Maligos pareil en général. Maligos est très difficile à. Bah, j'ai cru que ça avait. J'étais en mode, qu'est-ce qui s'est ouais, passé ouais. Simplement, il est mort.
Mais ça a mis le trap a mis très longtemps à s'activer. Et voilà, badaboum. Pendant que tu gagnes encore tes rangs 80 par 80. Et si là tu prends une défaite, tu repères tout ce qu'on a gagné. Je repère quasiment 200 rangs ouais, si je prends une défaite là. Ça c'est bien ça. Bah après ça dépend, hein, peut-être qu'on va tag un joueur légende. Là on a tag un rang 2, c'est le mieux que j'ai tag aujourd'hui. Quelle bonne blague. Un joueur légende. Tu vois ça remonte, on tag des rangs 2. Désormais tu tag des rangs 2. Bon là on vise croissance, brindille, plague. C'est ça les. Ah, plague, c'est. Ça c'est l'équipe hein. Plague, le win rate de Plague dans ce matchup ça doit être. Ouais. Ah ça doit être démentiel. Exceptionnel, je pense. Ok, jasp. Bonjour Vincent. Ok. Bon, on va juste faire un hero power. Hein. Clac. Ah, on va pas faire un hero power. Oh boy. Oui, j'aime bien l'idée de rampe. Ah mais attends, mais... Je viens de réaliser. J'ai pas fait gaffe non plus. C'est un pal secret en fait. D'accord. Je viens de le remarquer en même temps que toi. Hein. Bah piochon, non? Ouais. Oh! Déjà. Bien vu de ma part ça! On va sûrement devoir draw au prochain tour par contre, hein? Non? Ouais, je me vois mal rampe avec une main comme ça. C'est un coup à jamais. Ah! Attends, parce que ce jongleur peut être pénible. Est-ce que c'est si grave que ça de laisser ce jongleur un tour? Non, ma question c'est est-ce que si on fait hurlement. Ah, tu veux faire hurlement jasp? Ouais, non, 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 fais draw, fais draw, juste draw. Moi ouais, j'aime bien juste. C'est le mieux, ce. Pas de tyran. On se prend pas la tête. Ah, elle est là. La plaie gagnante. Et après, peut-être qu'il joue le démon qui inverse là. Oh, call to arms, regarde. C'est vrai en plus. Ça alors. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette cheat? Ça peut être un peu chiant les gardiens des secrets. Bon, dans tous les cas, il va prendre une plague. Voilà, il va prendre sa plague déjà, très clairement. Crois-moi que là, il est en train de se dire que c'est toi qui es chiant plutôt que l'inverse. C'est vrai. Quelle bonne carte! Ah, la caméra qui refait des siennes. Quoi? Ouais, mais arrête de mettre des kicks dans le PC. Ah, mais j'ai rien fait là! J'ai rien fait, tu mens. Tu veux. Écoute. Ah ouais, bah là t'as dû mettre un sacré kick dans le PC parce que là la caméra elle... Attends, je disparais. Vas-y, passe une intervention d'urgence. Ça s'est stabilisé. C'est vrai? Oui. Sommes désolés pour tous les épileptiques que nous avons tués. C'est de la faute de Demi. Erika, j'ai trouvé. Ce soir chez Boris, c'est soirée disco. Le pauvre. Bon, bah il va prendre une jaspe. Ah, c'est terrible. C'est terrible la vie de paladin quand tu joues contre druide. Hop, alors on peut faire quoi? On commence par quoi au cas où c'est raise? On préfère le faire sur le jongleur, j'imagine. Colère à 1 sur le jongleur. Ouais, colère à 1 sur le jongleur, c'est bien. Comme ça, s'il se raise, il n'envoie pas un couteau. Pas de raise. Se raise pas. Du coup, on jaspouille les deux. Ouais. Ouais. Jasp. Ah, on aurait peut-être pu. Parce que là, on va draw. De quoi? On va draw là, non? Tu veux faire hurlement féroce là? Bah, je pense. Wow. Au pire, on a perdu deux petits points d'armure. Moi, j'allais hero power pour péter le secret en fait. Mais... Tu peux aussi. Ça a pas une valeur nulle donc tu peux. Ouais, ok, go. On aurait pu se dire qu'on faisait jasp après. Ah, mais non, parce qu'on va tuer le loup first, du coup c'est bon. Ouais, c'est bien ça. On tue le loup. C'est quoi du coup son. Bah, le raid. Ah non, bah, attends. C'est œil pour œil. Ah, ça peut. Moi je tue tout. Hein. Il reste que œil pour œil. Non, il reste le truc qui proc. Attends, on a joué combien de cartes là? On a joué 3 cartes, ok. Donc c'est œil pour œil. Il joue œil pour œil du coup.
Ah non, il l'a eu sur Hydrologue. C'est vrai. On est vraiment des teubes. Non mais qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce ou qu'il a... repentir, ou repentir, attention. On n'a pas joué de créa. Oui, on n'a pas joué de créa, donc c'est repentir. Ok, donc faut pas jouer Lich King Cash au prochain tour. Ah ouais. Bon, après, un point de vie, en soi, il peut pas vraiment aller le chercher. Hein. Moi, je le joue. Tu joues Lich King? Moi, je le joue. Bon, il va de toute façon pas aller le chercher, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, non, non. Oh. On s'en bat les couilles à ce point-là? Ok. Tu penses que c'est la... Non, bon, on aurait pu mettre Malfurion, tu vois. Genre... Ouais, mais de toute façon, prochain tour, on va faire c'était Alex. Peut-être un peu plus respectueux, quoi. Non, parce que le prochain tour, on va faire Alex. Ouais, ouais. De toute façon, dans notre deck, il y a quoi? Il y a que c'est les vrai. Tyrans qui... Il y a que les tyrans qui peuvent absorber faceless. Ça. Mais ouais, moi, ça me va. Genre, potentiellement, là, il laisse juste notre LK... Ouais, il va mettre sa tête dedans. Là on lui fait Alex du coup. On attaque avec la 1-3 first. Ouais. Moi je pense que c'était legit ce qu'on a fait. Ok, très bien dans ce cas. Si tu penses que c'était legit. Tant qu'on est persuadé que c'est legit. C'est ça exactement. Au final. Ça a l'air bien son deck. En vrai, c'est difficile de juger, on a juste joué Plague et on a gagné la partie en posant une carte. Donc... Mais c'est ça qui est bien, c'est de juger. Badaboum! On a fait quoi, deux là? Ah oui, nous avons fait okay. Deux games. Oh, tu as gagné plus de 100 rangs! Hey, c'est peut-être la porte de sortie en fait, oh la dernière. Parce que là, on a fait combien de victoires de suite? 5 là? Ouais, on a 5 victoires de suite sur ton compte. Oh là là. Incroyable. En fait, on aurait dû faire les decks de la semaine sur le mien. Ah oui. Oui, encore Paladin. Paladin. Ah ouais, Paladin, vous aimez, hein. Surtout que là, on a play en main de départ, donc bon. C'est gagné, quoi. Sauf s'il joue... On peut presque garder nourrir aussi. Hein. On garde, non? Ouais, on va même garder nourrir. Je pense que c'est clairement un keep. Quand je vois le petit bord doré comme ça, j'y crois. Parce que le petit bord doré, il y a que 3 cartes dans le deck qui l'ont. La croissance, le Moonfire et le swipe. Vire. Ouais, faut que je vire les Moonfire et les swipes dorés pour voir que la croissance. Quand tu vois le bord doré, tu sais que c'est elle. Je peux me réjouir d'avance. Eh, ça veut dire que ça te fait quand même probablement 0,2 secondes de bonheur en plus. C'est pas négligeable. Parce que là, j'y ai encore cru. Surtout que ça me fait une fausse joie en fait. Ah oui. Si on compte le nombre de games de druides que tu joueras dans ta vie, en termes de joie, c'est beaucoup. C'est pas négligeable. Non, c'est beaucoup de secondes. On sera peut-être obligé de sortir un swipe avant de sortir une plague. Parce que là, son board risque d'être menaçant sur le tour 4. Oui, on verra. On s'adaptera. On va aller au port à droite là. Eh oui. Comme ça, tout est à 1 PV. C'est sale. C'est sale. Oh, on va probablement swipe quand même au prochain tour. Parce oui, que... oui, il faut. Oui, non, mais... faut éviter de se prendre le. Voilà, bah très bien. Tu vas certainement swipe ici. Très très bien ça. Bah, surtout que si on swipe pas, on est mort probablement. Donc bon. Oui, c'est ça. C'est un problème. Bah, en général, j'aime pas être mort. On aime pas. Boum. Druid, c'est terrible parce que tu utilises que une carte de temps en temps. Et ta carte est beaucoup plus puissante que toutes les cartes que tes adversaires peuvent faire. Okay. Encore un petit truc oh. Bon bah... Pièce Plague. Pièce Plague, Tyran. Puisqu'on a eu le bon goût de piocher Tyran. Ça reste... On aurait presque pu faire deux Moonfire. C'est vrai. Ouais, parce que là le... Bon, c'est un peu chiant. Tous les tokens vont être un peu chiants, je suis d'accord. Effectivement. Mais bon, j'ai bien compris.
J'ai bien compris qu'on s'en battait les couilles. Facile. Facile. Alors. Je peux éventuellement double Moonfire Oui, là-dedans. tu peux quand même déjà faire le double Moonfire, Enfin. ça me choque pas. Ça va trade là. La question c'est qu'est-ce qu'on fait d'autre en fait? Bah je vais juste triple draw en fait. Tu veux pas rampe? Vu qu'on peut draw déjà deux avec embranchement au prochain tour. Merde. Ouais, je peux. Moi ça me choque pas. Ok. Deux mana, double Moonfire. Allez, boum. Boum. Ouais, il Boum. repart dans la 2-2. Ah, 2-2. Eh bien, encore une fois, une excellente game. Ah, ça va être difficile pour lui là. Je sais pas statistiquement si le ramp était. Moi, ça me semble correct avec Ouais, on a de embranchement bonnes en chances main. de piocher une grosse créa et on a de bonnes chances de piocher un fléau, sachant qu'on va en branchement au prochain tour si on n'a pas, si on n'a pas une créa qui se curve, donc bon, ça a l'air juste bien. Oh. Bah, embranchement x2. En draw, les deux. Hein. Ouais. Enfin, sauf si on a fléau. Non, bah du coup, redraw. Petite brindille. On va chercher la 2-2. On va chercher elle, hein. Oui. Mais le pire, c'est que. Déjà, quand il y a une créature en face en paladin, t'as un peu envie de mourir parce que Ouais. c'est dur d'y répondre. Mais alors, quand il y en a plusieurs, Ouais. Là, tu mets du board, y tu a te le fais clairement beaucoup trop, trade, là. tu remets du board, tu te le refais trade. Et c'est la triste vie de paladin. Il peut pas faire grand chose là. Allez, faveur divine pour deux cartes. On se fait plaise. Le pauvre. Oh! Après, Malfurion est cool aussi, mais. Ouais. Ouais, go Malfurion. On fait des 1-5. Ah, par Allez, contre. on va tête, hein. Ah, ouais. Il y a un moment où il faut qu'on comprenne qui Ouais. c'est le patron dans cette partie, hein. On a 6 créas sur la table. Certes, c'est que des scarabées, mais ça suffit largement. Oui. Il est en train de comprendre que. Scarabée, ce qui est bien, c'est que ça prend 5 trades. Un scarabée tue 5 tokens. Et un scarabée dans ce match-up, ça coûte moins de 1 mana. En général. Aïe aïe aïe. Donne-nous des petites cartes. Oh! Je sais même pas si c'est létal, mais. C'est pas létal, mais c'était sympa. Ouais. Boum boum boum. Oui, on sait pas plus que vous pourquoi il est encore dans cette partie. Hein. C'est. Inexplicable. On n'a pas la réponse. Nous n'avons point la réponse. Ah, mais il continue. Ah, il va faire le board full taunt là. Y a de l'idée, y a de l'idée. Ah regarde, c'est pas mal, hein. Bah il est vivant, non? Je pense Ça va être chiant de qu'il. passer ça. Alors attends, si tu lui mets. Attends, parce qu'on peut mettre beaucoup quand même. Hein. Est-ce que tu peux en acclim 2? Acclim, Acclim, Trade. Hero Tu peux Power, en j'en trade jaspe 1. 2. Ouais, t'as Jasper, l'étal en ah, j'ai fait. l'étal. Fais jaspe en armor. Enfin, armor pour booster jaspe, pardon. Je suis même pas obligé, mais ok. Ah bah, c'est juste plus. Oui, Oui. ça revient au même. Mais. On pouvait en tuer plein encore. Ah bah là, on a pu tous les tuer. Tiens. Bien rocado. Là. Bravo! Moult rang, moult rang. Ouais, bah globalement avec ce druide, ça va être quoi les match-ups un peu compliqués? Si tu croises un druide taunt, c'est quand même vraiment dark. Druidstone, c'est la dureté, ouais. Ah ouais, druide taunt, c'est vraiment chaud. Shaman Shadow Roi, comment ça m'a l'air difficile. Hein. Parce que Bah le remove d'armes en fait. ils jouent tous un pet arme. Et.
Mine de rien, à la course, ils peuvent quasiment te tenir, quoi. Ouais, Si non, je tu suis touches d'accord pas que Shaman Shadow Rock, c'est l'arme pas passive. très agréable non plus. Mmh. Et sinon, le reste, vous avez Bah, entre un c'est shot ça. even ou un très bon shot. C'est ça. Et Voilà, après, voilà. pareil, un War Taunt, par exemple, qui jouerait un Jones ou un truc comme ça, c'est très désagréable aussi. Ouais, probablement que c'est le genre de deck qui peut être gênant. Bien voilà, nous vous avons montré le druide Maligos. C'est le classique du moment. Ah, Profitez-en, le deck est sympa à jouer, pour le coup. C'est nettement plus agréable à jouer que Druid Bien sûr. Taunt. Ah, Druidstone, Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour plus de decks sympathiques. Ciao, portez-vous bien ciao. d'ici là. Ciao! Oh, on est 2018. Et on est en 2018. Waouh. Je pense que c'est un signe que la Belgique va gagner la Coupe du Monde. C'est très carré. Ok. Ah oui. Je pense que c'est un signe qu'ils vont gagner ce soir. Tout se recroise. Ah non, non, Bon, on arrête. Non, on veut perdre. c'est plus à nous de stream depuis déjà 16 minutes là en fait. Donc on va couper. Enfin, on va faire une pause. Et puis après, ça va être l'escarmouche. Voilà. Yes. Ciao, ciao! Fuck, c'est où? Ah, bon, on va mettre ça. Si tu veux.